type du service technique. Qui d'ailleurs n'est peut-être plus des nôtres. J'ai marqué son dernier emplacement connu sur votre carte. Allons-y, espérons que le pire ne s'est pas produit. Ça ne m'inspire pas confiance. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Ça m'inspire de moins en moins confiance. Jetons un petit coup d'œil. Explorons. On dirait qu'il a été abandonné. Bien joué! On dirait que ce labo travaillait sur un appareil appelé le laser atmosphérique. J'ai téléchargé le schéma. Faisons un essai. D'abord, il nous faut de la bleulite pour alimenter l'arme. Il devrait y en avoir dans le labo. Ensuite, quelque chose me dit qu'on devrait préparer des munitions. Il y a deux manières de fabriquer des balles. Vous pouvez ouvrir votre inventaire et sélectionner les balles que vous voulez fabriquer. Ou vous pouvez maintenir la touche de rechargement de votre arme pour fabriquer automatiquement des balles. Fabriquons quelques balles. Possible. Oh,
Il me faut une pause. Du labo, il faut placer l'atlas sur la cible, ajouter de la bleulite et attendre. Mettez de la bleulite. Il y a assez de bleulite. Bien joué. Ajouter de la bleulite permet de savoir de quelle direction viendra la tempête. Préparez-vous à une attaque par l'ouest. Construisez quelques renforts de base pour protéger l'atlas. La tempête sera plus forte que celle que nous avons vue à la base. Construisez des défenses autour de l'Atlas et activez-le quand ce sera bon. Le défi bonus est maintenant disponible. Voyons voir. Impossible. Non. Dans 5 secondes. Les carcasses arrivent. Et la température du noyau grimpe. Oh oh. Ça va aller. Pour le moment. Hors de mon chemin!
Je suis à court. Pas possible. Impossible. Impossible. Non. Wow! Il a percé un trou dans...
Il faut qu'on fasse un stock de ces magnifiques lasers. Nous résistons. La seule chose que nous devons faire, c'est essayer de comprendre ce qu'il se passe. Par chance, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Pour tout vous dire, il est peut-être fou. Mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il paraît que vous cherchez un spécialiste en tempête. Eh bien, vous avez de la chance. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu le feu d'artifice que vous avez tiré. C'était magnifique. Mais je vais vous en tirer un encore mieux. Ah oui? Venez voir par vous-même.
cache ? Ah, juste du bruit. Il y a trop d'interférences du signal. Ah, à qui le dites-vous ? Tout jusqu'à 3000 GHz. Le chaos absolu ! Tout à fait ! Et ne parlons pas des UHF. Oh, les ultra-hautes fréquences se font martyriser. À se demander où est l'ionosphère ? Je me suis dit la même chose ! Ah ben ça ! Je savais qu'on ferait une bonne équipe. La seule équipe qui compte, c'est celle que le commandant et moi formons. Ne le prenez pas mal, ça a juste toujours été comme ça. Le commandant errait, sauvant le monde, côte à côte. Ça va, petit robot, j'ai compris. Mais tu pourrais changer d'avis. Il nous faut plus de gens comme vous. Des balles, j'adore. Ça ressemble bien à du Lars. Alors, vous en pensez quoi ? Je pense que c'est un van. Hey ! C'est un laboratoire d'analyse de la tempête, dernier cri. Et un van. Les deux à la fois. J'ai besoin d'aide. Vous pourriez me trouver une meilleure antenne ? Les carcasses prennent d'assaut le van dès que j'entre dans la tempête. D'accord, d'accord. Nous avons une idée. J'ai préparé un système de propulsion du van. On y va dès que vous voulez, commandant. C'est un ballon. C'est un ballon météo. Et il va maintenir le van en l'air. On va bien voir. Ça me paraît bien. Mettez de la bleulite pour le préparer.
ici! Vous n'avez pas encore de bleulite à déposer. Les données de la tempête ont été mises à jour sur votre mini-carte. Construisez des défenses autour du van. Activez l'interrupteur quand tout sera prêt. Oh. Défendez le van. Il y a un bonus activé. Non. Le fort va tomber. Envoyez. Comment elle est jeune, vous elle aussi? Ça y est. Ah mais là, tout à l'heure, c'était un câble. J'étais là, elle était là où il y a le mot de tête. Ses fesses en face de moi, moi j'avais pas capté, j'étais sur mon téléphone, et bah bim. Ah, c'est des salés. Hein. Pas mal. Ah ouais, mais c'était un sacré prout. Non, c'est pas ça, c'est que...
Non. Les nouvelles données sont sur votre carte. Activez la séquence de lancement dès que tout est prêt. Défendez le van. Il y a un bonus activé. Allez, venez. On subit des dégâts. Non. Oh, une seconde. Impossible. Attention, le fort est attaqué. Hello. Non.
Lancement dans 3, 2, 1, décollage! Défi bonus réussi! Bravo à tous! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! Vite, que quelqu'un dessine ça sur du velours! Bon courage, Lars! Que le roi de l'Olympe vous accompagne! Il le fait toujours! J'ai détecté un phénomène nuageux inattendu autour de votre bouclier. Je crois qu'il déstabilise la tempête. Donc, tant qu'il sera en marche, vous devriez pouvoir explorer les environs. Oh, ça me donne une idée. Ça m'en donne une aussi. Ce n'est pas un concours, Lars. D'accord, petit robot. Tu commences. Si le bouclier anti-tempête perturbe bel et bien la tempête, alors plus il sera puissant... plus nous pourrons explorer loin et donc sauver des survivants. Il y aura peut-être une petite complication, mais on en parlera quand vous serez au bouclier.